Hello les fleurs! On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière quand même, parce qu'on accueille Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Qui était à la base une abonnée et qui est devenue au fil du temps une amie. Et comme elle était là ce week-end, du coup on s'est dit qu'on allait en profiter pour tourner une vidéo. Et on s'est dit... Nos certains t'en parlent, le thème est Disney. Voilà, donc on a pris nos petits amis de Disney avec nous. Et donc on va faire un blind test dans lequel on va devoir trouver les titres des chansons ainsi que... les titres du Disney. Voilà, donc on a prévu chacune 6 chansons et on va alterner l'une l'autre. On va se les faire deviner et puis chaque chanson vaut 2 points. Un point pour le titre de la chanson et un point pour le titre du Disney. C'est ça, t'es prête? Oui. Bon bah c'est parti. Donc c'est moi qui devine en premier. Oui. Non, c'est toi et c'est moi qui Pardon, te fais deviner. Pardon, c'est toi qui me fais deviner en premier. Ok. Première chanson, c'est parti. Mulan, Réflexion. Exactement. J'adore cette chanson. Je vous la passe un peu. J'aime trop. Alice, un point. Non, deux du coup. Ah oui, 2 points. Un point pour la chanson. Ouais, ça, j'essaye de tricher déjà, mais... Attends. Ok, c'est parti. Non, regarde bien, ça va t'amuser. Ah. Bon, alors, c'est Merlin l'enchanteur. Oui. Et le titre, je suis pas sûre, mais ça serait pas la formule Rikitus truc là. Il l'a dit. Iggy. Ouais, ouais. Je t'accorde un point. C'est un truc latin. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est quoi exactement? Iggitus Figitus. Ainsi plus petit, vous tiendrez dans mon sac. Quand j'étais petite, Merlin l'enchanteur, ça me faisait vraiment peur. Ah ouais. Faut vous dire qu'avec Madame Mime, ça oui, m'aide Madame pas. Oui, Madame Mime, elle est pas mais... très agréable. Ouais. Ouais. Donc du coup, j'ai qu'un point. Non, tu as 2 points. J'ai les 2 points. Ça compte, le truc latin. Elle est gentille. Il faut dire qu'Alice est quand même forte pour les blind tests. Et en particulier pour ceux de Disney. Donc il y a la pression. Alors, deuxième chanson. Le Roi Lion. Il vit en moi, je crois. Presque. Mais je te l'accorde. C'est pas le titre? Non. Merde. Mais c'est presque ça. Ça va être là? Ah, il vit en toi. Ouais. Oh mince. Il vit en toi. Ah non, en toi et en moi après. Je sais pas. Partout où tu vas. J'aime trop cette chanson. J'aime trop. De toute façon, je crois que les chansons du Roi Lion sont vraiment parmi les plus belles. Oui. Jouez avec nous hein, dans les commentaires et dites-nous si vous retrouvez toutes les chansons avant nous. Donc je t'accorde les 2 points. Merci beaucoup. Quelle aimable personne. On est gentils. Alors, okay, c'est parti pour la deuxième chanson. Il faut quand même dire que trouver le titre du Disney, c'est plus facile que trouver le titre de la chanson. Exact, parce que parfois on croit que les titres... Enfin, on croit connaître le titre et en fait, c'était un... C'était pas ça. Alors. Le début est pas facile. Ok. Donc Alice. Ah. Bon, j'aurais dit ça, peignons les roses en rouille, c'est ça. C'est le titre. C'est ça. À chaque fois, moi, je me fais avoir, je mets des chansons où il y a le titre direct. Peignons les roses en rouge. Ouais, mais je pense que j'aurais dit ça dans... Mais c'est pas la chanson d'Alice la plus connue. Non. J'ai voulu mettre une petite difficulté le quand piège. Même. Le piège. Alors, pour l'instant, on a tout bon. Hein. Oui. Je veux pas nous mettre la pression, mais... On a du niveau. Attention. Un peu dur. J'avance. Enfin là tu vas... C'est la chanson des Siamois, oui. Dans La Belle et le Clochard. Exactement.
Je n'aime pas du tout cette chanson. D'ailleurs, ce film, non. Mais il faut dire que les Siamois sont fort désagréables, donc on les aime pas. Ouais. Même elle est pas très belle cette chanson. C'est un peu dur quand même. Et t'as trouvé. Bravo. Mais pourquoi j'ai trouvé? Parce que je l'aime pas et qu'à chaque fois que je l'entends, je la vire. Tu la vires. C'était cadeau. Merci, merci beaucoup. C'est parti. Ok. Ah, j'ai une petite. Ah, c'est tu es mon ami. Ou je suis ton ami. Voilà. Nous sommes des amis dans Toy Story. Oui. Ah, le début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la version clip. Ok. Et disons qu'on a encore égalité. Ouais, hein. On a tout bon pour l'instant. Je sais pas comment on va nous départager. Je ne sais pas. Peut-être qu'on ne pourra pas nous départager. Pour vous dire la vérité, c'est la deuxième fois qu'on tourne cette vidéo parce qu'on a eu des petits problèmes sur la première version qui était trop difficile. Mais là, finalement, on est parti sur un challenge facile quand même. Quatrième chanson. Tendre rêve, Cendrillon. Oui. Il va falloir que je change une de mes chansons. T'avais mis ça? À chaque fois, j'ai envie de dire la vie, mais c'est la nuit. Nos chagrins de bonheur. Bon, ben écoute, comment on va faire? C'était ma suivante. Ah, bah voilà. Je sais pas grave, j'en prendrai une tout à l'heure. Ah, merde, attends. Non, ma mignonnette. Tu n'es pas très nette, ma mignonnette. Mais crois-moi, je vais te pire. Je vais faire de toi cochonnette. Le plus pur est saphir. J'ai pas le titre par contre. Donc c'est Mulan. Ouais. Et c'est. Le titre. Le honneur. Honneur à vous Presque. Non, je l'ai pas. C'est pas vous, c'est honneur à tous. Honneur à tous. Mais il est pas facile à trouver le titre. Si tu sais pas que c'est honneur à tous, ouais. Tu sauras pas parce que. J'avais honneur, mais pas le. Mais ça peut être un moyen de nous départager, donc je ne me compte qu'un point. Oh, parce que c'était. Ah, et Tommy, j'avais honneur. J'avais honneur, j'avais la moitié. Mais elle est bien, ça... j'aime trop les chansons de Mélane aussi. Ouais. Alors, attends, du coup, je suis partie. Là. Réponse. Oui. Tout ce temps perdu dans mes pensées, je veux y croire. Oui. Tout ce temps caché dans mes pensées, tout ce temps sans jamais dire, sans aimer, si loin de ce monde et de la vérité. Elle est trop belle. J'ai dit toutes mes chansons? Non, il y en a 5. Ok. Donc t'en as une dernière. Moi, l'avant-dernière. Ok. Histoire éternelle de la Belle et la Bête. Oui. Ça c'était cadeau un peu. Il était de circonstance. C'est ça. Ok. Dernière chanson. Je pense que c'est le livre de la jungle, mais je vais être un homme comme nous. Exactement. Un homme comme vous. Comme nous, comme vous. Comme vous. C'est que je désire le cache des frites. Je l'ouvre. Mes amis, quel rythme, quel calme, tu sais, c'est pas le stupidité. J'ai failli déplacer la caméra. C'était drôle. Ça aurait été trop trop bien. Je crois que je l'ai. Ok, dernière. Ah, oh, elle est trop triste cette chanson. Donc Dumbo. Ouais. Mais alors le titre. Maman. Non, pas maman. Ah, c'est ça, mon tout petit. Non, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit mon câlin ou un truc. Ah. Mon tout petit. Tu as les deux points.
Je t'accorde les deux points. Oh, elle est mignonne. Donc ça nous fait... Je tiens scrupuleusement les comptes hein, en attendant. Donc Alice a tout trouvé, donc elle a ses 12 points. Et moi j'ai... je sais plus ce que j'ai oublié. 11 et demi. Ah oui, j'avais honneur à vous. Mais pas honneur à tous, c'est pareil. Donc 11 points et demi, mais tu m'as aussi accordé un peu le truc du latin que j'avais pas trop. Oui, c'est vrai. Donc on peut dire officiellement qu'Alice est la grande gagnante de ce c'est challenge. C'est beaucoup trop d'honneur, je suis très touchée, émue. C'est ça, tu veux remercier... Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. J'ai la voix qui part complètement. On a trop chanté du Disney. Merci d'être venu. Oui, de rien. Ça merci à toi de m'avoir accueilli. Surtout. C'était très cool. Oui. Et puis bah voilà, c'est tout. À très vite. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.